Ou, c'est les conscients ou pas c'est les conscients? C'est les conscientes, c'est les conscientes, c'est les conscientes, c'est les conscients, c'est les conscients, c'est les bâtites, c'est les bâtites, c'est les bâtites. Personne ne veut de moi. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'ils ont les autres et que moi je n'ai pas? Je ne suis pas aimable. Ça, c'est tous des. Je vais finir vieille, moche et seule. Oh purée, c'est mort. Je veux pas de moi. Oh, de toutes les façons, laisse tomber. Laisse tomber, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et d'ailleurs, tous les bons morceaux sont prêts, quoi. L'amour, de quoi, de quoi? Attends, non, mais attends, il faut arrêter de croire au Père Noël, quoi. Laisse tomber, c'est pas la peine. Ouais, c'est mal barré. Je sais même pas. Tinder, Happn, Mythique. Je sais pas. J'ai fait tout ça, mais. Ça donne rien quoi. J'ai vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance quoi. Je sais pas. Ils viennent, ils partent. Non. Ah zut. Bon. J'ai coupé cette partie. Ah. Ouais. C'est triste, hein? Voilà. BIS. Belle, intelligente et seule. Ouais, mais bon. Attends, là. Mais attends, t'es belle, t'es intelligente. Pourquoi tu trouves pas quelqu'un? Tu dois être difficile. Celle-là, tu la connais aussi, toi? Ah, ouais, tu dois être difficile. Tu dois être trop exigeante. Est-ce que ça me fait vraiment avancer? Quand on te dit, ouais, tu dois être difficile, tu dois être trop exigeante, ça fait quoi de dire ça? Et arrêtez de dire des choses comme ça aux gens, quoi. Soit vous avez une vraie proposition à faire, ou bien, bon, voilà, enfin bref. Bon, arrête, Michel, parce que c'est pas de leur faute non plus, hein, tu sais. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. C'est à toi de voir comment tu gères tout ça. Ouais, ben bon. Je peux m'en passer, quoi, tu vois. Tu penses pas que ce soit assez difficile comme ça, en fait? Ouais. Bon, enfin, bref. Bon, stop, 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 stop. Michel, stop. Tu vas arrêter de te plaindre. Mais tu vois, toi aussi, tu me donnes des ordres. Attends. Ok. Michel, de quoi aurais-tu besoin pour transformer ta vie amoureuse? Non, mais même avant ça, est-ce qu'elle te plaît, ta vie comme elle est? Ben non, c'est même pas une question à poser. Ben non, ça se voit que ça me plaît pas. Ok. Dis, donc ta vie amoureuse, elle ne te convient pas, c'est ça? Ok. Déjà, est-ce que tu es au clair avec ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vois, c'est pas qu'est-ce que tu veux, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, vraiment, vraiment, vraiment. Tu veux aimer et être aimé, je suppose, non? Oui, je veux, oui, je sais. Je veux aimer et être aimé. C'est ce que nous voulons tous, non? Oui. Bon, ok. Aimer et être aimé. Tu veux aimer être aimé. Toi aussi, oui, je pense que toi aussi, c'est ce que tu veux. Aimer être aimé. D'accord. Bon. Coach Michel. Ah, on va faire venir la coach. Elle te pose une question. Moi, bon. Ok. Dis-moi. J'entends que tu veux aimer et être aimé. Moi, je te dis déjà, c'est très bien. Ok. Maintenant, dis-moi. On va y aller tout doux là.
qu'est-ce de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu de quoi tu as besoin pour aimer être aimé, à ton avis, selon toi? Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour aimer être aimé, pour avoir cette vie-là, cette relation amoureuse que tu veux? Ou non, 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 non. On va pas faire ça comme ça. Déjà, est-ce que tu sais ce que tu veux? Aimer être aimé, ça veut dire quoi pour toi? Voilà. Je crois qu'on va arrêter là. Déjà, commence à te vraiment poser ce que tu veux vraiment. OK. Aimer et être aimé, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu veux vivre comme relation amoureuse, relation d'amour? Qu'est-ce que tu veux, toi? Commence déjà ça. Et tu sais quoi? Si tu es sage, je te retrouverai. D'abord, tu me dis, toi, tu me dis, là, bon, ok, tu me dis, là, je suis, ah, c'est la coach Michelle qui parle. Tu me dis, là, en commentaire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ou si tu as fait l'exercice de qu'est-ce que tu veux vraiment, partage avec moi ce qui a émergé, ce qui s'est passé. Et tu sais quoi? On va continuer ces vidéos-là. Je te promets. Et aussi, tu sais quoi? Si tu as des questions, pose-les-moi. Parce que si ça se trouve, moi, peut-être que j'ai vécu ça, peut-être que je le vis aussi, peut-être que je peux partager quelque chose qui va t'inspirer, tu sais. Donc, n'hésite pas. Dis-moi. Mais avant, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mets le vraiment en gras. Parce que c'est là, vraiment, vraiment, c'est ce que tu veux. Tu vas prendre contact avec toi-même et tu vas avoir le courage de voir ce que tu veux. Et après, à partir de là, une fois que tu as posé au moins ce que tu veux, on pourra aller regarder ben, qui pourra te permettre d'avoir ce que tu veux. Et ce qui t'empêche aussi d'avoir ce que tu veux, tu vois. Donc déjà, commence. Stop la célibatite. Commence à te poser cette question, ok? Bon, en attendant, tu sais ce que tu peux faire aussi? C'est, moi je vais te dire, il y a une page sur Facebook. C'est la page des célibataires conscients, les célibataires conscients. Je te promets que tu vas y trouver plein, 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 plein d'éléments, de vidéos, de citations, de live. Tu sais, la coach Michelle, elle se déchaîne sur cette page. Tu peux aller visiter cette page. Tu as plein, plein, plein de pépites. Et tu sais quoi? Tu peux aussi aller sur Internet. Si jamais, tu sais, tu as encore quelques personnes qui ne veulent pas de Facebook, ben, tu as le site Internet des célibataires conscients. Toi, là aussi. Et cette chaîne-là, ce que tu es en train de regarder, d'abord, commence à t'abonner et regarde les vidéos. T'en as plein, 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 plein. Donc, franchement, tu as de quoi faire quoi. Ah, d'accord? Et moi, je te dis, on se retrouve. Bon, en attendant de se retrouver, vite. Pleinement et consciemment. Oh, moi, j'essaie de faire comme la coach là. Oh. Mais franchement, Emma, ça m'a fait du bien un peu. Hein, quand ça, je me sens mieux. Ça, tout à l'heure, j'étais un peu en train de râler là. Ça va, là, ça va mieux, tu vois. C'est exactement ce qui va se passer pour toi si tu vas écouter les vidéos, si tu vas regarder ce qui se passe, si tu vas partager avec d'autres célibataires. Parce que tu sais quoi? T'es pas seule. C'est pour ça qu'elle est là, cette communauté. C'est la Michelle. Elle a créé la communauté des célibataires conscients, mais il faut que tu viennes, il faut que tu partages, il faut que tu sois là, pour que ça soit possible, que tu en parles à d'autres personnes, tu sais. Elle a commencé même à faire des conférences, mais bon, je ne vais pas te dire tout ce soir parce que je vais te saouler, quoi. Je suis bientôt à 10 minutes, c'est bon. Allez, on se retrouve très très bientôt. Tu me poses des questions, je réponds en mode ouais, en mode cool. Allez, en attendant de te retrouver pleinement. Cette fois-ci, c'est pour vous. Vraiment, vraiment, je t'expliquerai tout ça. Ciao, à bientôt.